Seigneur Mutin, bonjour. Nous voilà donc dans notre appartement à Hua Hin, à environ 200 km au sud de Bangkok, sur la côte est, tout près de la mer. Et je vais pour la première fois aller découvrir le bord de mer, donc la plage. Mais il paraît qu'il y a des chiens qui viennent, là, des hordes de chiens qui viennent attaquer les passants. Donc je vais me munir d'un bâton, comme nous l'a conseillé hier un gars, voilà, pour voir. Et puis pendant ce temps-là, Christophe, lui, va expérimenter la piscine. Donc voilà, on est comme ça, nous, chacun de son côté, hein, la piscine, la mer. Et donc moi, je vais essayer de filmer mon trajet là pour aller vers la mer. Et il y a un petit chemin, on est tout près, donc ça devrait pas prendre plus de 5-10 minutes, je sais pas exactement. Et je vais essayer de revenir. Il paraît que des fois, ils mordent les mollets un peu. Donc on va voir. Hein, souhaite-moi bonne chance. Adieu. Bonne chance. À chaque fois, je me trompe. Ouais. Bonne chance. Moi, je vais affronter rien. Ouais. Bah si, tu vas affronter les voisins de l'immeuble. Ah bah ça va, ça me va ça. Ouais. J'emmène un bâton, tu vois. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Faut que je prenne un bâton. Faut que je trouve un bâton. Je sais pas où. Tiens, là il y a des bâtons. Oh putain, c'est quoi ça? Il est fourmis rouge ici. Voilà, je suis équipé. J'ai mon bâton. Gare à vous les chiens. C'est notre immeuble. Ça y est, je vois la mer. C'est tout près en fait. Ça fait même pas 5 minutes que je suis parti. Bon bah voilà, on y est. Délire. C'est un peu la zone ici, hein. Mais on dirait qu'il y a plein de détritus partout. Bizarre, mais bon. Bon, bah en tout cas, j'y suis, hein. Voilà. J'ai mis pour la première fois mes pieds dans l'eau de mer en Thaïlande. Et sérieusement, on dirait que c'est un bain tellement elle est chaude. Et il y avait des méduses mortes aussi là. Alors j'espère qu'il n'y en a pas trop qui se baladent dans l'eau. Il y a une personne qui se baigne. Il faut savoir qu'ici il y a des marées et donc la plage est toute mouillée là parce que c'est chaud, c'est hallucinant. Là il y a dû y avoir une marée assez haute et du coup elle a dû monter jusqu'en haut de la plage, je suppose. Le soleil est déjà en train de se coucher, il est 17h30, ça se couche assez tôt ici et l'indice UV est assez faible. Donc je sais pas si c'est toujours comme ça, il faudra que je me renseigne. Il y a des gens là qui m'en gardent, là il y a des bateaux. Ça, c'est pas des bateaux qu'on voit en France. C'est pas si compliqué d'arriver ici. Bon, on a eu une journée de voyage quand même à 24 heures, comme on en a parlé dans l'autre vidéo, mais finalement, c'est pas grand-chose. Et voilà, on est à l'autre bout de la planète et on marche dans de l'eau à 30 degrés. Je sais pas si elle est exactement à 30, mais à mon avis, vu le ressenti, ça doit pas être loin d'être ça, si c'est pas ça. J'espère que ça va te motiver tout ça, si tu n'as jamais voyagé à l'autre bout de la planète. À peut-être te dire, bah finalement, c'est vrai que c'est pas compliqué. Alors on a eu des petites galères, bien sûr, et on va en avoir d'autres. Mais ça fait partie du voyage. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, même quand on a des petites galères, plus tard, quand on en reparle, on en rigole. Alors c'est vrai qu'ici, là, dans l'appartement où on est un petit peu isolé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose autour.
il faut a priori une voiture ou un scooter pour se déplacer, mais bon, ce qu'on va faire, c'est que nous on va prendre des taxis, je pense. Il y a plein de taxis ici, c'est pas très cher. Donc dès qu'on voudra vraiment aller faire des courses ou quoi, on pourra s'organiser comme ça. Hier, quand on est arrivé hier soir, le propriétaire est vachement sympa. C'est un Français aussi, on le verra peut-être dans d'autres vidéos, je ne sais pas encore. Il nous a accompagnés en voiture au supermarché du coin, un métro, c'est l'équivalent d'un métro. Et donc on a pu faire nos premières courses pour avoir quelques trucs à manger, sachant qu'il nous avait laissé des fruits et tout déjà dans l'appart, donc c'était vachement sympa. Et puis bon, bah là, pour faire quelques courses, puisque là, on est dans un appart, on n'est plus à l'hôtel, donc il faut qu'on ait quelques trucs à manger quand même. Mais bon, on va s'organiser, hein, on vient d'arriver, donc il reste plein de choses à faire. Voilà, allez, à plus !